La ville de Vangoulême, là tu passes là. Là c'est mon quartier. En route de la marque rose, ah. C'est où j'en vis. Le parc de mon école, enfin d'avant. Garibaldi. Moi c'est au stade Le Maçon. J'aime bien jouer, j'aime bien m'entraîner un peu au foot. Et je joue avec mes copains voilà, parfois. Et... Moi aussi je joue au foot des fois. Comment ça se dit ? Chez moi. Il y a nulle part. Bah chez moi. Non, moi je joue un peu. On fait une flèche ? Je joue tout seul. On fait une flèche ? Moi, à la piscine. Bah, j'aime bien jouer en bas de chez moi tout seul. J'habite juste à côté. Et je joue au foot. Des fois, je fais des tours de vélo tout seul. Et voilà. Moi, c'est chez moi. Jouer. Bah, à mon téléphone ou à l'Xbox. Le collège direct. Parce que c'est ennuyant. On a beaucoup de matière et il y a beaucoup de devoirs à faire. Surtout pendant les vacances. J'ai pas envie de me réveiller le matin. Oh, je sais, moi. Avant, à côté de l'école Beethoven, avant, il y avait un petit parc où j'adorais jouer avec mes copains. Franchement, j'ai des bons souvenirs là-bas. C'est au collège. Non, c'est parce que j'ai eu plein de fous rires là-bas. Pour ça. Des fois, c'était des blagues nulles et j'ai rigolé. Bêtement. Avec ma copine, on a plein de fous rires en classe, sur les profs. Et ils nous clashent en même temps. Justement, ils clashent. Ils s'en rendent pas compte. La dernière fois, il y a une fille, elle a mis un jean déchiré. Elle lui a dit ne t'étonne pas si on te donne 10 euros dans la rue. Ouais. Oh. Avant, il y avait un parc à côté de l'école Beethoven. Et je jouais avec mes copains. Il y avait des pistes cyclables, des toboggans. Des jeux d'escalade et j'aimais bien jouer là-bas avec mes copains. Et voilà. Et ça me rappelle des bons souvenirs. Non, parce qu'à un moment, l'école, elle a brûlé et ils ont construit une plus grande école. Donc voilà, petit chemin, on traversait comme ça, tac, 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 on chemine, on rencontrait les enfants les uns les autres, ça faisait des grappes qui arrivaient d'ici là, et hop, on se croisait, on franchissait le petit portail, ils commençaient à être libérés et un peu sans contrainte, ils jouaient, et hop, et à midi, quand ils ressortaient, ils restaient dans le parc, nous, les parents, on s'organisait, on ramenait à manger, on faisait des pique-niques, on commandait des pizzas, c'est là où les choses se faisaient, c'est là où les parents se rencontraient, où on passait du temps ensemble, on créait des liens, c'était ici. Depuis, c'est où est-ce que vous vous rencontrez? Moyennement, il n'y a plus. Ça a brûlé pendant les vacances scolaires d'un Noël. Quand le matin, je vois mon école toute noire, et moi, j'étais un peu choquée, j'avais pas compris. Et voilà. J'avais 4 ans. Leur doudou, leur repère, leur dessin, le poisson rouge, les escargots. Ah bon, vous avez tout perdu.